bébé arrive. Comment est née l'idée ? Alors, c'est un partenariat qui remonte à un peu plus de 18 mois. C'est un partenariat au départ mairie et allocations familiales. Nous voulions travailler sur quelque chose qui concerne la petite enfance et les femmes enceintes. Et il s'est avéré qu'au même moment, la mairie et la caisse d'allocation familiale avaient le même projet, en tout cas le même but. Objectif. Voilà. Ensuite, on s'est posé et on s'est dit, qu'est-ce qui est concerné par la petite enfance ? La petite enfance, ça veut dire quoi ? Ça commence déjà, comme dirait ma collègue qui travaille à la Maison de la Solidarité du Conseil Général, ça commence dès les premières règles. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt, mais n'empêche que ça commence déjà par des problèmes de contraception, de sexualité et après de parentalité. Ce n'est pas que déjà quand le bébé est né, mais c'est en amont. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est que tous ces renseignements et toutes ces informations soient regroupées dans un même lieu pour faciliter d'abord la compréhension des démarches à faire, qui ne sont pas forcément des démarches administratives, mais aussi des démarches humaines, hein, de se dire mais où je m'adresse, à qui je m'adresse quand j'ai besoin d'avoir des renseignements. Donc on a listé tous les partenaires. On a très vite éliminé les partenaires qui avaient des produits à vendre, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas un forum mercantile, ça en était très clair, les trois institutions. Il n'était pas question de vendre des choses ou d'avoir des choses à acheter, ce n'était pas le but. Le but était vraiment d'avoir des réponses à des questions qu'on peut se poser quand on est enceinte, ou quand on va avoir un bébé, ou quand on va l'adopter. Alors à la Maison départementale de la Solidarité, nous nous sommes jointes à ce projet, bien entendu, puisque nous travaillons avec les mêmes usagers qu'à la CAF et qu'à la ville. Hein. Donc nous sommes très en amont dans la rencontre avec les usagers, puisque nous connaissons les jeunes filles dès le moment de la contraception, nous connaissons les couples au moment du début de grossesse, nous effectuons des suivis de grossesse et nous sommes en partenariat avec ensuite les maternités aubagnaises. Donc nous sommes très heureux de participer à cette manifestation puisque nous pouvons mettre en avant les deux activités principales de notre action, c'est-à-dire à la fois la protection maternelle et ensuite la protection infantile, puisque nous avons des médecins gynécologues, mais aussi des médecins pédiatres, des puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, psychomotriciennes, qui ont une action sur tout ce qui est éveil et socialisation. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième édition de cette journée, Bébé arrive. Nous avons déjà procédé à une première au mois de juin et désormais l'événement aura lieu tous les 6 mois. Donc la prochaine date est déjà fixée, je pense, au mois de février. En mars. Exactement. Le vendredi 16 mars et le vendredi 28 septembre 2012.